Jean Azer Tafando. Le maréchal, c'est l'homme qu'il vous faut, l'homme de la situation. Avec le maréchal, les titans sont en marche. Tilere, tonan tilere, mirario tilere, tonan tilere, tilere, tonan tilere, mirario tilere, tonan tilere, tilere, tonan tilere, mirario tilere, tonan tilere, kokwar bafan, nyam nan tilere, gungun de ba. Nyam nan tilere, wad ba fan yili, nyam nan tilere, lebre ba, nyam nan tilere, tilere, ton nan tilere, mirario tilere, ton nan tilere, agom da la fiel wakat fan, agom da koba yel wakat fan, bam sahan da tondo tirbang rtu manire. Bam wulira tondo romi kayela obsaganda tondo tilwa otaba obsaganda tondo tinongaba tilare tonnan tilare mirario tilare tonnan tilare tilare tonnan tilare mirario tilare tonnan tilare mam yula Jacob Salem kila la radio tilere wakat fan mune ningi barak mon ami je m'en aller mon ami je m'exile ce pays veut nous tuer je peux plus le supporter mon ami je m'en aller mon ami je vais m'exiler, ce pays veut nous tuer, je peux plus le supporter. Ils tiennent des promesses utopiques, ils commettent des crimes démocratiques, ils font des réunions mercantiles, résultat la caisse entière se vide, ils font des sacrifices inutiles. Amis et fidèles auditeurs de la 102.2, bonjour, c'est avec grande joie que nous nous retrouvons une fois de plus pour une émission spéciale. Merci pour votre constante fidélité aux antennes de la 102.2. Cette émission se tient dans le cadre du projet Contribution au processus électoral du Burkina Faso 2023-2024, projet piloté par la CODEL avec l'accompagnement de l'ONG Diakonia dans le cadre du programme Gouvernance inclusive et citoyenne et citoyenneté active et responsable. Pour cette émission spéciale, il sera question de démocratie, comme je le disais tantôt, et pour en discuter, nous recevons ici Madame Ouedraogo Negansonré Eugénie, coordinatrice régionale des femmes, Monsieur Saïdou Kwanda, ex-président du Conseil régional de la jeunesse, et Monsieur Souleymane Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la CODEL. Avec vous au microphone, je suis Jean-Azer Kafando alias le maréchal. La partie technique est assurée par Bako Gildas. Alors, je le signifiais tantôt, il sera question dans cette émission de parler de démocratie. Et pour en parler donc, je l'annonçais, nous sommes avec Monsieur Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la CODEL. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, donc nous parlons des démocraties aujourd'hui, mais avant donc, nous allons essayer de découvrir la CODEL. La CODEL, qu'est-ce que c'est? Parlez-nous un peu. La CODEL, c'est une organisation de la société civile oui. qui est née en juillet. Oui. Qui est née en juillet 2015. Oui. Qui est composée de 19 organisation. Oui. Et la CODEL, ça veut dire Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Mm-hmm. Vous comprendrez donc que la CODEL est née
dans un contexte où le Burkina devait renouer avec l'ordre constitutionnel normal après la transition de 2015. Mm-hmm. Et donc, il fallait que des organisations se mettent ensemble pour accompagner ce processus électoral. Exactement. Et de manière effective, les organisations membres de la CODEL ont poursuivi cet objectif avec beaucoup de succès. Et c'est dans ce cadre que, de manière unanime, tous les observateurs ont convenu que les élections de sortie de transition en 2015, c'était très bien passé, c'était très bien déroulé. Okay. Et pour continuer avec la présentation de la CODEL, je voudrais dire que son objectif, c'est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance au Burkina Faso, de contribuer à la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et acceptées de tous, de faire la veille citoyenne, de faire la promotion des droits humains, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de sensibiliser pour la cohésion sociale. On en a besoin aujourd'hui au Burkina Faso. Et puis, de manière singulière aussi, nous sommes beaucoup engagés actuellement contre la désinformation. Nous menons des campagnes contre les fake news. Exactement. Et tout cela pour contribuer à une transition apaisée. Ok, voilà. Contribuer à une transition apaisée et essentiellement faire la promotion et sensibiliser autour de la question de bonne gouvernance. C'est ça les objectifs de la CODEL. Alors, nous sommes ici essentiellement dans le cadre du projet Contribution au processus électoral du Burkina Faso 2023-2024. Pour parler-nous, je vais dire, parlez-nous de ce projet-là. Eh bien, le projet COBEG vise à renforcer la participation citoyenne des hommes, des femmes et des jeunes à la promotion des valeurs démocratiques et au processus électoral au Burkina Faso. Et donc, tout cela, c'est, vous l'avez compris, pour préparer sereinement le retour à l'ordre constitutionnel normal. Parce que quel que soit le temps que la transition actuelle va durer. C'est inscrit d'ailleurs parmi les missions de la transition. Elle doit se terminer, cette transition, par l'organisation d'élections. Exactement. Et il faudrait que tous les acteurs soient prêts au moment où, justement, il va falloir organiser ces élections pour sortir de la transition et normaliser, on va dire, la gestion politique de notre pays. Et ce projet a démarré en avril de cette année 2023 et court jusqu'à fin, donc décembre 2024. Ok. Maintenant, s'agissant des activités qui sont contenues dans le projet, il s'agit notamment de ce qui nous amène dans la ville de Kourougou. On est là depuis quatre jours aujourd'hui. Et il s'agit essentiellement d'une campagne de sensibilisation et d'information sur les mêmes thématiques de bonne gouvernance, de citoyenneté active, des jeunes, des femmes. Et au cours de cette campagne-là, il y a cette émission radiophonique qui est à l'ordre du jour. Il y aura cet après-midi une projection qui va cibler les jeunes. Et il y a eu une série de formations. Exactement. Une qui a réuni les femmes et les jeunes. Une autre, les influenceurs, les journalistes. Exactement. Et puis voilà en gros le programme de cette campagne de sensibilisation et d'information qui a commencé à Zignaré la semaine dernière. Qui va se poursuivre en novembre, en décembre, à Manga, à Bobo-Dioulasso, et qui va se poursuivre encore l'année prochaine, et qui va en tout cibler 10 localités. Alors, vous levez le doute, donc cette activité ne concerne pas uniquement Kourougou. Pas du tout, c'est une activité à portée nationale. Elle va concerner 10 localités. En tout, dans 10 régions, 10 chefs-lieux de région. Et en plus de cette campagne de sensibilisation, il y a des émissions télé
de promotion de la démocratie du système électoral, ne l'oublions pas. Oui. Donc il y aura 13 émissions télé qui vont jalonner ce projet. C'est très important. Il y aura des ateliers de formation, d'information, de vulgarisation sur la corruption électorale, donc au profit des acteurs du processus électoral, des causeries éducatives sur les violences électorales seront organisées également. Il y a déjà des podcasts qui ont été réalisés et qui sont diffusés sur élections et démocratie. Nous, au niveau de la CODEL, avons décidé également d'accompagner des initiatives locales en faveur de la participation au processus électoral. Et nous avons déjà lancé des annonces pour identifier ces initiatives novatrices, innovantes, que nous allons soutenir par des financements. Il y a avant-dernière activité, un programme Bridge et qui va consister en l'organisation, travailler concrètement sur tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Et puis finalement, il y a des plaidoyers. Parce que c'est nécessaire dans ce contexte de transition de proposer des réformes pour faire en sorte que le processus électoral soit amélioré, soit renforcé. Et donc, il y a des plaidoyers qui sont prévus à cet effet-là. Voilà en gros les activités qui sont inscrites dans le cadre de ce projet. Alors, merci à vous, monsieur Ouédraogo. Nous allons poursuivre avec vous, monsieur Kwanda, vous qui êtes ex-président donc du Conseil régional de la jeunesse. Et avec vous, il s'agira donc de rentrer de plein fouet dans la question de la démocratie. Alors, qu'est-ce que la démocratie ? Merci pour la parole. Merci à la CODEL de nous avoir associés à cette émission. Pour aborder la question, je dirais que la définition la plus connue de la démocratie émane de Abraham Lincoln, qui a affirmé que la démocratie est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple, Il faut rappeler que c'est un système politique dans lequel c'est-à-dire la souveraineté est attribuée aux citoyens. Et le citoyen peut l'exercer de façon directe, comme cela se fait en Suisse, à travers, c'est-à-dire une participation active aux prises de décision directement, ou à travers la désignation de ses représentants, évidemment, qui vont prendre ces décisions-là. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que le Burkina a été depuis plusieurs années, où on peut avoir, c'est-à-dire dans cette démocratie indirecte-là, c'est-à-dire des régimes parlementaires, des régimes présidentiels, et tout compte fait, c'est-à-dire l'élection permet aux citoyens de désigner ceux-là qui vont participer, qui vont prendre les décisions pour le bien de cette population. Donc on a la désignation du représentant suprême de la population, notamment le président. Mais aussi on a la désignation de ceux-là qui légifèrent, notamment à travers le Parlement. Voici de façon succincte, c'est-à-dire la définition qu'on peut donner de la démocratie. Alors, déjà qu'il y a une définition qui a été donc mise sur la table, monsieur Ouédraogo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette question de démocratie là ? Oui, je pourrais ajouter que la démocratie, il l'a dit, mais il faut préciser vraiment que une bonne démocratie, enfin, en démocratie, il y a la séparation stricte des pouvoirs. Il ne faut pas que le pouvoir soit concentré. C'est pour cela que, comme il a dit, il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire, et il y a des pouvoirs qui ne sont pas constitutionnalisés, mais qui jouent aussi un rôle très important dans la régulation des libertés, comme la presse. Et ce n'est pas par hasard que les journalistes et les influenceurs ont été associés à la formation d'hier. Il faut aussi préciser que la démocratie, c'est un processus, c'est un idéal. En plus d'être un mode de gouvernement, c'est un processus, c'est un idéal qui n'est jamais
atteint, qui n'est jamais abouti. Exactement. Qui est une quête perpétuelle. Oui. Je prends un exemple. On dit que les États-Unis sont une démocratie avancée. Oui. Mais on a vu que des partisans d'un ancien président ont osé vouloir. C'était pour vouloir carrément faire un coup d'État. Mmh. Et heureusement que les institutions sont fortes là-bas. Oui. Ils ont été arrêtés, jugés et condamnés sévèrement. Pour l'exemple, pour montrer que dans, en démocratie, il y a des voix pour s'exprimer. Oui. Et les voix qui ne sont pas propices à la paix sociale, à la cohésion, oui. Eh bien, ces voix-là doivent se taire, doivent être matées. Et donc, la démocratie, in fine, l'objectif, c'est de toujours chercher à contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations. C'est pour cela que la participation citoyenne en démocratie est essentielle. Et on fait parfois l'erreur, très souvent, de toute façon dans notre contexte, on le voit, on le lit, de limiter ou de réduire la démocratie à l'organisation d'élections, ce qui n'est pas vrai du tout. La démocratie, c'est les élections, c'est vrai, mais le plus important, c'est cette participation citoyenne. C'est chaque Burkinabé, homme, femme, jeune, qui doit se sentir concerné par la gestion de la chose publique. Exactement. Voilà. Alors, Madame Ouédraogo, nous revenons avec vous. Vous qui êtes donc la coordinatrice régionale des femmes, sur la question de la démocratie, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Quelque chose à dire particulièrement? Parce que la voix des femmes, elle est très importante. Bon, je pourrais, merci. Oui. Je pourrais ajouter tout simplement que la démocratie, en plus de ce que mes prédécesseurs ont dit, et je pourrais dire que la démocratie permet aussi aux femmes de s'affirmer, voilà, d'avoir le droit de s'exprimer, le droit aussi de représenter, parce que de représenter le peuple, parce que nous sommes majoritaires. Voilà, donc nous prenons vraiment la démocratie. Voilà, ils ont tout dit. Ok. Voilà, donc, les femmes, comment je dirais, sont majoritaires et en termes de démocratie, il faut qu'elles s'impliquent pour la bonne marche des choses. Alors, nous poursuivons avec, je vais dire, monsieur Kouanda. Alors, monsieur Kouanda, nous revenons avec vous. Après, donc, cette question de démocratie, il faut donc que nous revenions sur la question donc du contexte actuel. Alors, quel est donc l'intérêt de parler de démocratie actuellement, avec le contexte donc que le pays vit? Pourquoi parler de démocratie maintenant? Déjà pour, comme ça a été signifié, le retour à l'ordre constitutionnel normal fait partie des missions qui ont été assignées à la transition. Exactement. Ça veut dire qu'à la fin de cette transition, évidemment, on doit aboutir, c'est-à-dire à l'organisation d'élections qui doit permettre de désigner les représentants du peuple. Et qui veut aller loin menace sa monture. C'est ça. Et donc, il est important, c'est-à-dire déjà de maintenir cette communication-là et cette éducation de la population sur les questions démocratiques pour les préparer, c'est-à-dire à ce qui va arriver. Deuxième chose, je pense que c'est comme une piqûre de rappel pour dire que, quelle qu'en soit la situation qui se passe actuellement, nous espérons fortement que la paix va revenir dans notre pays. Et évidemment, c'est-à-dire lorsque toutes les conditions seront réunies, il va falloir évidemment qu'on puisse favoriser, c'est-à-dire on puisse favoriser le retour à cet ordre constitutionnel normal. En plus de cela, comme ça a été signifié, la démocratie ne se limite pas seulement aux élections. Il y a également le fonctionnement des institutions qui sont évidemment, qui ont des pouvoirs séparés. Et évidemment, dans un tel contexte, c'est-à-dire que chaque institution continue de jouer correctement son rôle est important pour maintenir, c'est-à-dire la cohésion sociale et permettre aux différents citoyens de jouir, c'est-à-dire de leur liberté, de leurs droits, mais également, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier, c'est-à-dire de toutes les actions qui sont menées par le gouvernement. Exactement. Donc je pense que il faut
qu'on continue, c'est-à-dire cette éducation, cette sensibilisation sur les questions démocratiques pour pouvoir préparer, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ok, alors Monsieur Ouédraogo, Monsieur Kouanda a fait cas donc de préparation des gens, de préparation donc de la population à cette question donc d'élection qui est quand même un point essentiel dans l'agenda de la transition. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, je dis qu'il a tout à fait raison. Et mais je précise encore que les élections sont juste un élément de la démocratie. C'est ça. Et il a dit aussi que on ne peut pas résumer la démocratie aux élections. Oui. Mais on ne peut pas parler de démocratie sans élections. Évidemment. Voilà. Sans, en tout cas, désignation démocratique des représentants du peuple. Voilà. Et pour répondre à votre question, pourquoi parler de démocratie aujourd'hui? Parce qu'on constate que la démocratie est, on va dire, est mise en avant comme étant la responsable de tous les problèmes du Burkina. En fait, ce qu'on devrait plutôt dire, c'est que c'est le déficit démocratique. Le déficit démocratique. C'est plutôt le déficit démocratique qui est à l'origine des problèmes du Burkina Faso. Et d'ailleurs, l'instabilité politique et institutionnelle dans laquelle se trouve le Burkina aujourd'hui peut s'expliquer principalement par ce déficit démocratique, en plus de la crise sécuritaire. Oui. Parce que ça, ça nous a été imposé, même si, par ailleurs, y a, on peut expliquer que parfois, c'est le défaut de développement de certaines zones, et le président Ibrahim Traoré l'a dit, qui fait que parfois des jeunes sont tentés de rejoindre les groupes terroristes. Donc c'est ce déficit vraiment démocratique qui est à l'origine de nos problèmes. Mais ce n'est pas la démocratie en elle-même. Et d'ailleurs, je peux préciser que y a un plan d'action pour la stabilisation et le développement. Et c'est la transition, c'est ça qui guide la transition. C'est les autorités de la transition qui ont mis en place ce document-là. Et l'un des objectifs stratégiques de ce plan d'action-là, c'est de travailler justement à promouvoir la bonne gouvernance, à la démocratie et la bonne gouvernance politique. C'est écrit noir sur blanc. C'est un document officiel. Donc voilà une bonne raison pour nous de promouvoir la démocratie. Parce que les autorités de la transition ont pris conscience de cela. Deuxièmement, l'une des six principales missions de la transition vise le renforcement de la culture démocratique et la consolidation de l'état de droit. Donc vous voyez encore, c'est une raison supplémentaire pour nous, organisations de la société civile, de faire ce travail d'information, de sensibilisation. Et pour finir, je dirais que si la résolution de la crise sécuritaire que nous vivons, c'est un impératif, nous sommes tous d'accord avec ça, il est nécessaire de saisir la fenêtre d'opportunité de cette transition-là pour opérer donc des réformes politiques et institutionnelles qui soient consolidantes en vue de renforcer la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Et je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table-là. Que le travail, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et si nous donnons la main entre acteurs de la société civile, avec aussi les médias qui sont les partenaires privilégiés pour passer nos messages. Exactement. Je crois qu'en fin de compte, la culture démocratique va s'accroître de manière significative et qu'on va rompre donc avec cette atmosphère qui est là aujourd'hui et qui incite au rejet des valeurs démocratiques qui, à mon sens, sont essentielles si le Burkina veut se développer. Alors, Madame Ouédraogo, nous revenons avec vous. Question donc de démocratie. Pour vous, quel est l'intérêt donc de parler de démocratie actuellement? Merci. Oui. Et l'intérêt de parler de démocratie actuellement, c'est vraiment que le Burkina doit en tout cas se mettre en marche. Et être vraiment solidaire. On doit oublier les divergences et certaines jalousies qui nous animent souvent. Et pouvoir s'unir pour rechercher vraiment l'union sacrée
pour vraiment reconstruire notre pays. Mm-hmm. Donc, nous avons intérêt vraiment à retourner et à vivre cette transition et dans l'Union, mm-hmm. et pour pouvoir préparer et un pouvoir démocratique. Exactement. Oui. Donc, nous devons nous réconcilier entre oui, nous, oui. oublier les divergences pour mm-hmm. pouvoir construire ce pays. Okay. Parce que nous avons intérêt. Mm-hmm. Nos grands-parents nous ont légué ce pays. Mm-hmm. Nous n'avons pas à vraiment laisser ce pays et crouler. Vraiment, voilà, crouler. Mm-hmm. Voilà. Ok, donc ne pas laisser le pays crouler. Je reviens avec vous, monsieur Ouédraogo. Vous avez tantôt parlé de déficit démocratique. Est-ce à dire qu'il s'agit de mal-gouvernance ou, je dirais, mauvaise gouvernance? Oui, le déficit démocratique peut être expliqué, mm-hmm. d'une part, oui. Par la mauvaise gouvernance. Effectivement, vous avez parlé de crise sécuritaire et tout, voilà. Mm-hmm. On est d'accord. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit, la démocratie, il y a d'une part cet idéal-là, oui. et à d'autre part, la démocratie, c'est aussi un mode de gouvernance. Mm-hmm. Maintenant, ce mode de gouvernance, jusqu'à présent, c'est le... Il y a un dicton qui dit que c'est le pire de tous, à l'exception, enfin, je me perds un peu dans le mot, mais ce que je veux dire, c'est que mm-hmm. on ne peut pas trouver un modèle oui. de gouvernance mm-hmm. qui soit meilleur que la démocratie. Mm-hmm. Maintenant, il faut reconnaître que la démocratie a des règles. Mm-hmm. C'est comme dans l'agriculture. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que les cultures oui. sont mauvaises mm-hmm. qu'on va remettre en cause l'agriculture mm-hmm. dans son ensemble. Mm-hmm. Parce que l'agriculture, on sait que ça procure des aliments pour les humains, pour les animaux, et ça permet de créer une industrie derrière oui. pour transformer ces produits, les vendre, etc. etc. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce que le Burkina Faso n'est pas autosuffisant oui. depuis toutes ces années qu'on pratique l'agriculture, qu'on mm-hmm. va dire, oh, l'agriculture, c'est une mauvaise chose. Mm-hmm. Donc, de la même manière, ce n'est pas parce que la démocratie mm-hmm. ici ne permet pas au Burkina Faso d'atteindre les objectifs de développement oui. qu'on va jeter la démocratie. Donc mm-hmm. il faut remettre en question la manière mm-hmm. dont nous pratiquons cette démocratie. Mm-hmm. Et nous tous, on a constaté que oui. malheureusement, mm-hmm. Par les élections, mm-hmm. on a des acteurs qui arrivent au pouvoir oui. et dont le principal souci après, mm-hmm. quand ils sont au pouvoir, oui. c'est de se soucier d'eux-mêmes, mm-hmm. de leur clan, plutôt que de tenir. Donc de servir et non de servir. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'il faut corriger. Mm-hmm. Il faut corriger non seulement en faisant des campagnes de sensibilisation oui. comme ça, pour que les citoyens les plus intègres de la société fassent de la politique, mm-hmm. se fassent élire, oui. et donc arrivent à un niveau où ils vont pouvoir décider, vont pouvoir gérer mm-hmm. pour, et pas des aventuriers politiques oui. qui sont comme des entrepreneurs mm-hmm. qui se font élire juste pour faire des deals de parcelles, mm-hmm. etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Et donc, c'est plus ce déficit-là mm-hmm. de gouvernance, cette mal-gouvernance-là oui. qu'il faut travailler mm-hmm. à éradiquer. Exactement. Ça ne va pas être facile. Oui. Mais avec des réformes, avec beaucoup d'informations, de sensibilisation, mm-hmm. avec beaucoup de mobilisation des jeunes, des femmes, mm-hmm. on va y arriver. Ok, monsieur Kwanda, oui, quelque chose à ajouter sur cette oui. question de déficit moi, je démocratique. Je pense que il a dit quelque chose d'essentiel, oui. vous-même vous l'avez répété. Mm-hmm. En fait, la façon dont nous avons pendant longtemps pratiqué la démocratie a créé un terreau favorable à la malgouvernance oui. qui a en tout cas facilité mm-hmm. c'est-à-dire le pillage d'une richesse par ceux-là qui ont été désignés pour représenter le peuple. Exactement. Si bien que la population n'était plus bénéficiaire
de l'action de ceux-là qui étaient censés leur faire profiter au maximum, c'est-à-dire de leur gouvernance. Oui. Et je pense que le diagnostic a déjà été fait. Beaucoup de gens savent le poids de l'argent sur, c'est-à-dire les élections, l'insuffisance de la participation citoyenne, c'est-à-dire a également facilité l'accès au pouvoir de ceux-là, c'est-à-dire qui n'étaient pas porteurs de valeurs partagées par tous les Burkinabés. Oui. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, la transition doit être une opportunité pour pouvoir, c'est-à-dire faire table rase sur un certain nombre de pratiques. Exactement. Et adopter, c'est-à-dire les réformes qu'il faut pour assainir, c'est-à-dire cette démocratie-là, et faire en sorte que les élections puissent permettre de désigner les personnes les plus intègres et les plus habilitées à conduire notre pays. Et je pense que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail également qui implique, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire des gouvernants actuels, et qui doit permettre, avec la mobilisation de la population, de mener la réflexion pour aboutir à ce modèle-là qui sera idéal pour notre pays. Exactement. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes à votre émission spéciale Démocratie, émission qui se tient donc dans le cadre du projet Contribution au processus électoral du Burkina Faso 2023-2024, un projet piloté par la CODEL avec l'accompagnement de l'ONG Diakonia dans le cadre du programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable. Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 60 99 99 50 ou au 58 95 95 07 ou encore le 56 94 94 34. Je dis bien 60 99 99 50 ou le 58 95 95 07 ou encore le 56 94 94 34. Alors, Madame Ouédraogo, nous restons sur la question donc de déficit démocratique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Moi, à l'issue de ce qui a été dit, c'est de dire vraiment que aucun pouvoir n'a pour objectif vraiment de mal jouer son rôle. Exactement. Voilà. Donc, les critiques sont faites. Oui. Et par rapport aux observations qui ont été faites, je me dis que nous pouvons vraiment user de tout cela pour pouvoir mieux construire l'avenir. Voilà, on ne doit pas passer le temps à critiquer. Nous devons chercher des solutions. Exactement. Voilà, parce que tout le monde n'a pas pour objectif premier de mal jouer son rôle ou de piller. Exactement. Voilà, donc on dit que c'est un seul âne qui mange la farine et puis voilà. Sinon, dans un groupe donné, tout le monde n'a pas pour objectif de mal jouer son rôle. Exactement. Voilà, nous avons tous pour objectif de développer ce pays que nous aimons tant. Voilà, donc on doit critiquer, c'est vrai, mais on doit rechercher les solutions. Ok. Voilà. À force de critiquer, on cause des frustrations. Voilà. Les Moussi disent souvent que quand on est assis, on joue mieux que celui qui est sur le terrain. Voilà. C'est ça. Alors, l'idéal, donc, c'est de trouver le moyen de mettre en place des solutions. Parole de Madame Ouédraogo. Alors, nous poursuivons et cette fois, je voudrais revenir sur un point essentiel parce que au début de la transition, la communauté internationale avait fait pression pour que, essentiellement, les élections se tiennent en 2024. Et la transition actuellement, donc, je dirais, dit que, voilà, bon, avec les conditions ou les situations actuelles, il faut travailler d'abord à retrouver la sécurité et par la suite, il sera question d'élection. Alors, monsieur Ouédraogo, qu'est-ce que vous pensez de cela? Eh bien, je vais rectifier d'abord. Oui. Un, ce n'est pas la communauté internationale qui nous a imposé juillet. C'est les forces vives, c'est les assises nationales qui ont décidé que la transition prenne fin en juillet 2024. Mais je pense que la CEDEAO aussi est impliquée. Bien sûr. C'est une fois que les fils du pays se sont mis d'accord sur ça, on a fait la proposition à la CEDEAO. Et on va dire que c'est nous-mêmes qui avons imposé ce calendrier à la CEDEAO. Et c'est un accord en ce moment. La CEDEAO dit, ok, si vous êtes entendu entre vous sur ça, on va aller sur cette base-là. Okay. C'est comme ça que les choses se sont passées. Oui. Et donc, non. Ce calendrier n'a pas été imposé de l'extérieur.
Ensuite, est-ce que le deuxième volet de la question, c'était comment je dirais, la transition, donc, fait savoir que question de sécurité est prioritaire sur ce calendrier-là. Oui, ça aussi, il faut préciser que de manière formelle, la transition n'a pas dit qu'elle ne va pas s'achever exactement en juillet. Mm-hmm. Elle a simplement, certains dirigeants, notamment le président Ibrahim Traoré, le premier ministre Kelem, ont affirmé que les élections ne seront pas organisées dans un contexte où on n'a pas recouvré suffisamment de territoire. Mais nous sommes tous unanimes là-dessus. On ne peut pas aller organiser les élections dans un contexte où les populations sont toujours dans le désarroi, où le nombre de personnes déplacées est encore à un niveau trop élevé, où les institutions de l'État, l'administration publique n'est pas retournée. Et en parenthèse, j'ai été content de lire hier que le gouverneur au niveau de la boucle du Moon a annoncé que la situation s'est améliorée considérablement, qu'il n'y a plus ce chef-lieu de province qui soit inaccessible et qu'il faut travailler au retour des acteurs de l'administration publique. Donc, vous voyez, nous sommes dans un processus dynamique qui peut, à un moment donné, faire comprendre aux autorités que les délais peuvent être tenus. Exactement. Pour le moment, d'ailleurs, il n'y a que les assises qui peuvent décider, ou je ne sais pas si l'ALT peut ou pas, mais bon, c'est uniquement les assises qui peuvent décider de la prolongation de la transition. Exactement. Et encore une fois, vous voyez, c'est de manière démocratique que cette décision sera prise. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans son bureau pour dire non, la transition va être prolongée. On est, c'est vrai qu'il y a une charte de la transition, mais la constitution aussi est toujours en vigueur. Et donc, je ne suis pas inquiet du tout. Je sais que la situation va s'améliorer. D'ailleurs, on a des annonces officielles qui nous rassurent sur cela. Et je suis optimiste que les délais peuvent être tenus. Si les délais ne peuvent pas être tenus de manière démocratique, on va s'asseoir et puis décider en âme et conscience de ce qu'il y aura lieu de faire. Voilà. Monsieur Kwanda. Le délai de juillet dépend de l'évolution de la situation sécuritaire. Évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, il faut que chaque Burkinabé s'implique déjà pour que on puisse retrouver, c'est-à-dire la paix au Burkina Faso. Et ensuite, c'est-à-dire, comme ça a été signifié, si l'ensemble des citoyens estiment que le délai du juillet n'est pas tenable, c'est-à-dire les assises ou peut-être, c'est-à-dire l'ALT pourra décider de ce qui va advenir et une autre feuille de route pourra être tracée pour nous permettre d'aller progressivement. Mais in fine, comme on l'a déjà signifié, c'est-à-dire la transition doit se terminer à travers, c'est-à-dire l'organisation d'élections qui va permettre celui de désigner le nouveau dirigeant pour notre pays. Ok. Madame Ouedraogo, quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Et pour parler d'une nouvelle feuille de route, il va falloir réunir les forces vives de la nation. Voilà, pour vraiment savoir ce qu'il faut faire. Alors, vous allez nous excuser, un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc sur les antennes de la radio Tilgré. D'accord. Et il est question actuellement de démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez vu la situation actuelle? D'accord, merci. Oui. Déjà, le nom? Oui, c'est Zagré Sylvestre. Ok, monsieur Zagré, allez-y, vous avez la parole. Voilà, merci. Bien, c'est par rapport à la toute dernière préoccupation que vous abordiez. Oui. Voilà, donc peut-être au regard du contexte sécuritaire qui prévaut dans le pays. Oui. Voilà, maintenant ma question est que l'observation faite est que des structures, et non des moindres, voilà, également aussi des entrepreneurs politiques, entre guillemets, on va dire, parlent d'élection, de démocratie, enfin, un retour à un ordre constitutionnel. Exactement.
Voilà, maintenant, j'aimerais savoir, n'est-ce pas là une contradiction, une entrave à la dynamique de l'autorité qui pourtant a fait savoir qu'aucune élection n'interviendra tant que le dernier Burkinabé en âge de voter ne pourra se rendre sans contrainte ni peur dans un bureau de vote dans sa localité. Oui. Voilà. Ok, donc c'est une question essentiellement. Oui, voilà, exact. Ok, pas de souci. Donc, je vais laisser... je vais laisser les experts donc, qui sont sur ce plateau répondre. Alors, monsieur Kwanda. Bien, je pense que il n'y a pas de contradiction. À partir du moment où nous-mêmes on l'a précisé, oui. Il s'agit ici, c'est-à-dire déjà de faire en sorte que les gens puissent comprendre que la démocratie là, ne se limite pas à l'organisation des élections. Oui. Si vous vous rappelez bien, on a mis en place une ALT. Mm-hmm. On a désigné des représentants du peuple pour aller légiférer. C'est une autre forme de démocratie. Exactement. C'est-à-dire l'institution judiciaire continue de fonctionner. Oui. C'est également c'est une façon de faire régner toujours la démocratie. Donc, oui. On parle de démocratie et même le système actuel dans lequel on est, c'est-à-dire, évoque la démocratie. Okay. Ensuite, qui veut aller loin menace à monture. C'est cela. C'est-à-dire, on ne va pas. Nous espérons que le pays va retrouver la paix. Et notre conviction, c'est que. C'est-à-dire, on va aller progressivement vers une libération totale de notre pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons que dès maintenant, on puisse commencer à préparer le retour de l'ordre constitutionnel normal. On ne va pas attendre de finir de libérer avant, c'est-à-dire de réfléchir sur comment est-ce que ça sera après. Parce que le hic est que ça va nous mettre, un, en retard, et deux, ça ne va pas permettre, c'est-à-dire, de bien faire. Donc, à partir du moment où il y a des structures, des institutions qui sont là pour réfléchir sur les réformes et autres, c'est-à-dire ils peuvent, pendant que c'est-à-dire certaines institutions s'occupent de la reconquête, c'est-à-dire travailler sur les réformes pour permettre, c'est-à-dire favoriser, c'est-à-dire ce retour à l'ordre constitutionnel normal, c'est tout. Donc il n'y a pas de contradiction. Voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter. L'objectif ici, c'est déjà de préparer les choses et de ne pas attendre la programmation des élections avant donc de se lancer dans cette question de sensibilisation et autres. C'est ça. Oui, et puis d'ailleurs, dans le plan d'action de la stabilisation et de développement de la transition, il y a des réformes là-bas, électorales, des réformes sur les partis politiques, des réformes sur le financement des partis politiques, réformes sur le code électoral, c'est-à-dire que même les autorités sont dans cette dynamique-là de créer un environnement favorable pour l'organisation d'élections et un retour à l'ordre constitutionnel normal. Et donc, nous, au niveau de la société civile, nous ne faisons qu'accompagner cette dynamique et aussi contribuer à un climat social apaisé, au retour de la cohésion sociale. Madame l'a dit, il faut qu'on on peut pas rester dans uniquement la critique, il faut être dans les propositions, il faut être dans la construction, et ce que nous sommes en train d'accomplir dans le cadre de ces activités là c'est justement pour accompagner les autorités dans les actions courageuses qui sont entreprises, et nous sommes confiants, comme Kwanda l'a dit, que le retour à la sécurité sera effectif. Ok. Mais bon, de là à prétendre que jusqu'au dernier Burkinabé qui sera en sécurité, je pense pas que dans aucun pays au monde, il y ait un seul... 100% des citoyens sont en sécurité sur 100% du territoire d'aucun pays de ce monde-là. Donc, sachons aussi raison garder. Ok, ok. Merci. Madame Ouedraogo, quelque chose à ajouter? Je voudrais au passage remercier le président Ibrahim Traoré et tous ceux qui œuvrent pour le retour de la paix dans notre pays. Ok. Et je voudrais dire à celui qui vient de... Monsieur Zagré, Monsieur Zagré, que je disais même, j'étais en train de dire, avant qu'il ne me, ne me coupe, que avant de décider d'élection ou pas, il faut qu'on réunisse les forces vives de la nation. Exactement.
et voir ce qui se passe actuellement, au vu de tout ce qui se passe actuellement, mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut décider, qu'est-ce qu'on peut arrêter. Voilà. Voilà. Lui dire aussi que les élections, on ne peut pas se lever parce qu'il y a élection l'année prochaine, commencer à préparer aujourd'hui. Mm-hmm. Même s'il y a élection dans 5 ans, c'est maintenant qu'on prépare ces élections. Mm-hmm. Voilà. Alors, M. Zagré, vous êtes toujours avec nous. D'autres préoccupations? Non, ça va. Ok, ok. Ça Donc, va. Merci à Peut-être, vous. Voilà, merci. Peut-être le dernier mot, c'est un peu tout le mal qu'on souhaite au pays, c'est la paix et puis la stabilité, quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, M. Zagré. Merci, je vous en prie. Mm-hmm. Merci. Alors, on poursuit et cette fois, donc, nous revenons avec vous, M. Kouanda. Alors là, nous allons parler de jeunesse et nous rentrons donc dans cette fonction que vous avez, assurée en tant qu'ex-président donc du Conseil régional de la jeunesse. Alors déjà, quel rôle doit jouer donc les jeunes dans un État démocratique? La Bien. Place de la jeunesse. Je pense que dans un premier temps, il faut noter que pour ce qui concerne le Burkina et même dans le monde entier, oui. cette catégorie-là est la plus importante. Mm-hmm. Et donc, dans un système où on veut que ce soit les citoyens qui travaillent à la gouvernance, oui. c'est-à-dire, il est très important qu'elles puissent, c'est-à-dire, participer mm-hmm. À cette gouvernance-là. Oui. Et elles peuvent participer à cette gouvernance de plusieurs manières. Dans un premier temps, à travers la participation citoyenne, la veille citoyenne. Oui. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de regarder de façon passive les gens faire mm-hmm. et ensuite s'asseoir dans les grains de thé critiquer, mais aussi de voir comment est-ce que, un, on contrôle ce que les gens font, oui. et deux, comment est-ce qu'on interpelle sur ce que les gens font, mm-hmm. et ensuite, comment nous-mêmes nous pouvons être initiateurs de certaines actions pour mm-hmm. pouvoir corriger, c'est-à-dire, en tout cas, participer au développement de notre communauté. Oui. Ensuite, participer au processus de désignation des représentants du peuple. Mm-hmm. De deux manières. Oui. Un, en étant... c'est-à-dire acteur, mm-hmm. c'est-à-dire en s'engageant soit au niveau des organisations de la société civile, parce oui. que je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire les candidatures indépendantes sont autorisées, mm-hmm. ou en s'engageant dans les partis politiques et en se portant comme candidat. Mm-hmm. J'ai été personnellement, en tout cas attristé de constater que les élections législatives passées, oui. c'est-à-dire même dans les partis politiques où il y avait une certaine, c'est-à-dire un certain engagement des jeunes, mm-hmm. c'est-à-dire le positionnement des jeunes n'a pas été assuré. Exactement. Et si bien que la représentation des jeunes dans les sphères de prise de décision, notamment au niveau des conseils municipaux, au niveau de l'Assemblée nationale, oui. n'avait pas été assuré, alors qu'on considère mm-hmm. que cette population est majoritaire. Mm-hmm. Voilà, c'est pour moi, la responsabilité est partagée. Oui. Parce que tout simplement, les jeunes ont fui, c'est l'arène politique, mm-hmm. mais aussi parce que, c'est-à-dire, le climat ou du moins les conditions ne sont pas réunies pour faciliter et favoriser, mm-hmm. c'est-à-dire, leur engagement en tant que jeune. En tant que candidat. Ok, voilà. Ok. Mais au-delà de ça, ils peuvent, dans une certaine mesure, participer même, c'est-à-dire, à l'animation de la vie politique oui. et à l'animation, bien sûr, de des débats politiques, s'intéresser à ce mmh, que mmh. c'est dit, le gouvernement fait. Ok. Ensuite, je pense que il est important que en tant que jeunes, nous puissions également apporter notre contribution dans l'éducation de la population oui. sur les questions démocratiques. Mmh. En initiant des activités, certains okay. le font déjà. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'avec certaines structures, nous organisons, c'est-à-dire les joutes verbales scolaires universitaires, mm-hmm. Une forme de simulation de débats parlementaires entre opposition et majorité. Ça, c'est mm-hmm. une autre façon de déjà d'inculquer les valeurs démocratiques, c'est-à-dire aux jeunes. Oui. Et beaucoup d'initiatives peuvent être prises dans ce sens-là pour mm-hmm. pousser les jeunes, pousser la population à s'intéresser à ce que les gouvernants font oui. et à suivre de près ce que les gouvernants font. Mm-hmm. C'est parce qu'on ne le fait pas oui. qu'on est souvent surpris, c'est-à-dire que certaines actions se posent en notre défaveur mm-hmm. ou même, c'est-à-dire, en notre faveur. Mm-hmm. Si tout le monde est regardant, comment, je le salue bien, comme oui. aujourd'hui ça, mm-hmm. ça se fait, oui. c'est-à-dire on va éviter beaucoup de dérives, c'est-à-dire des gouvernants. Mm-hmm. Et je pense que ces quelques pistes-là, c'est-à-dire ne sont pas les seules,
Mais il y a une réflexion profonde qui peut être menée pour pouvoir permettre de dégager des actions fortes que les jeunes peuvent, c'est-à-dire, initier pour participer, c'est-à-dire, à l'amélioration de la gouvernance démocratique de notre pays. Ok, merci à vous. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes à votre émission spéciale Démocratie, émission qui se tient dans le cadre du projet Contribution au processus électoral du Burkina Faso 2023-2024, un projet piloté par la CODEL avec l'accompagnement de l'ONG Diakonia dans le cadre du programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable. Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 60 99 99 50 ou au 58 95 95 07 ou encore le 56 94 94 34. Alors, nous sommes avec vous, Madame Ouédraogo, vous qui êtes la coordinatrice régionale des femmes, et nous le savons très bien, les femmes, ce sont nos mères, et essentiellement, vous l'avez souligné en début d'émission, les femmes sont majoritaires. Alors, quel est donc le rôle des femmes dans ce jeu donc démocratique? Merci. Et pour moi, les femmes doivent avoir un rôle stratégique et dans le processus de paix. Oui. S'impliquer dans toutes les actions des négociations de paix. Oui. Et prendre part également aux accords de paix pour la reconstruction et politique et économique et la structure étatique. Et je me dis que nos premiers responsables également peuvent aussi préconiser et promouvoir l'inclusion des femmes dans le processus politique électoral dans la gouvernance. Ok. Et présentement, nous prenons en tout cas la participation des femmes à toutes les actions qui peuvent œuvrer pour le retour de la paix. Exactement. Et nous avons même négocié, on a acquis un champ de la paix et les récoltes seront reversées aux PDI et aux personnes vulnérables de la région du Centre-Ouest. Oui. Voilà. Et toutes les actions qui seront menées dans le sens de la paix, nous, les femmes, nous sommes engagées à aider à ce que vraiment le Burkina puisse retrouver cette paix tant recherchée. Voilà. Nous souhaitons également que nous puissions avoir un accompagnement et à travers des formations, à travers l'alphabétisation des femmes également, et aussi avoir un soutien pour les microfinances, pour que les femmes puissent aider dans les ménages, parce qu'on dit que c'est la femme qui fait le ménage. Exactement. Voilà. Beaucoup d'hommes et on laissait la place aux femmes et d'autres c'est pas de leur volonté. Il y a beaucoup de veuves actuellement et ces veuves là elles sont des hommes et des femmes en même temps. Ils jouent le rôle du père et de la mère et il y a lieu de vraiment soutenir ces femmes là et pour qu'elles puissent soutenir les ménages. Voilà, donc nous souhaitons la paix au Burkina, voilà, pour que nous puissions vraiment œuvrer pour le développement de ce pays. Effectivement. Alors, merci à vous, Madame Ouédraogo. La participation de la femme dans la construction donc d'un pays démocratique est vivement donc souhaitée. Et c'est ce que donc le père de la Révolution avait compris, le père de la Révolution en parlant de Thomas Sankara. Alors, le temps est contre nous et nous allons aller très rapidement avec Monsieur Ouédraogo. Alors, déjà, vous avez parlé donc des activités de la CODEL en collaboration donc avec Diakonia dans ce cadre de sensibilisation en vue donc des élections. Et y a-t-il d'autres activités en vue actuellement? Eh bien, c'est juste passer l'annonce de l'activité qui va suivre dans la ville de Kourougou, qui est cette projection, débat. Sur un film très intéressant qui parle de corruption. Je crois que c'est la République des corrompus. Oui. Cette projection, ça, c'est à 14h. OK. C'est dans l'enceinte du lycée, du collège Saint-Joseph Moukassa. Oui. Et la participation de tous les jeunes, de toutes les femmes, enfin, de tous les citoyens est sollicitée. Et donc, rendez-vous tout à l'heure pour cette activité qui va être le point d'orgue de cette série d'activités, de cette campagne d'information et de sensibilisation dans la ville de Kourougou. Ok, ok. Voilà. Alors, nous restons avec vous, en même temps avec, je vais dire pour le mot de fin, voilà, quelque chose donc à dire déjà comme conclusion autour de cette question de démocratie et un appel à l'endroit donc des populations.
Eh bien, j'aimerais d'abord, au nom du président de la CODEL, de tous les membres du bureau de la CODEL, de toutes les associations membres de la CODEL, remercier les premières autorités de la région, à commencer par le gouverneur, qui nous a reçus dès l'entame de cette campagne-là. Oui. Aux différentes autorités, au commissariat et tous les autres, à leur rang et grade respectifs, qui nous ont accueillis, qui nous ont facilité les choses. Et ensuite, remercier aussi les populations, les jeunes, les femmes qui ont participé, les journalistes, les influenceurs qui ont participé à nos activités. Vous remercier, vous, de nous ouvrir votre antenne pour qu'on puisse parler de ces questions éminemment importantes qui ont trait à la bonne gouvernance, exactement, à la citoyenneté active, parce que c'est par ce moyen-là que chaque citoyen peut contribuer au développement du Burkina Faso. Et puis, pour finir, je voudrais inviter chacun à jouer son rôle. Oui. Et dans ce climat, il y a malheureusement un climat délétère. Il y a des propos de haine, des propos, des appels à la haine qui sont prononcés, notamment sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, il faut que chacun joue son rôle, que les leaders d'opinion, que les femmes jouent leur rôle en interpellant les uns et les autres, que les autorités aussi jouent leur rôle de sensibilisation et aussi de répression. Oui. Et puis, je crois que c'est dans un climat apaisé que nous pourrons construire ce Burkina qui nous est si cher. Évidemment. Merci à vous. Merci. Alors, Monsieur Kwanda, un mot de fin et un appel. Bien, c'est déjà remercier la CODEL pour nous avoir associés à cette émission. Évidemment, on ne cessera jamais de le dire. La démocratie est un processus qui est en construction, exactement, qui nécessite la participation de tous. Évidemment, les jeunes étant cette frange-là qui est numériquement la plus importante, ils ont leur rôle à jouer. Oui. Et j'appelle tous les citoyens, et en l'occurrence les jeunes, c'est-à-dire à s'approprier déjà, c'est-à-dire les valeurs de démocratie et à se mettre, c'est-à-dire en ordre de bataille pour que la paix revienne dans notre pays et que nous puissions sereinement vaquer à nos occupations. Ok. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Oudrago. Oui. Et merci à la CODEL de nous avoir invités. Et merci aussi à la radio Télégré FM. Oui. Et je voudrais inviter vraiment les populations, les Burkinabés en général, et à vraiment être solidaires, de se réconcilier entre nous d'abord. Oui. Voilà, dans les familles, dans les services, dans les villages, dans toutes les sphères. Voilà, réconcilions-nous. Exactement. Car avec la division, on ne peut pas aller loin. Tout le monde préfère la démocratie. Mais pour avoir la démocratie, il faut avoir la paix. Il faut avoir la sécurité. Donc, et chacun de nous doit jouer un rôle. On ne doit pas s'asseoir et puis attendre la paix. On ne doit pas s'asseoir et attendre la sécurité. Nous devons jouer un rôle. Exactement. Pour accompagner ceux qui sont sur les fronts à travers nos mots d'encouragement. Là où nous ne pouvons pas arriver, ceux qui arrivent là-bas et qui voient ce qui se passe, nous devons les encourager et vraiment être solidaires. Ce que chacun peut faire à son niveau pour que, en tout cas, quelque chose soit fait au niveau de la paix, au niveau de la sécurité dans notre pays, qu'on n'hésite pas. Voilà. L'heure n'est pas aux critiques. L'heure n'est pas aux scènes de jalousie. Nous devons oublier toute divergence et puis nous unir. Okay, okay. Car le Burkina ne peut pas se construire sans nous. Le Burkina doit se construire avec nous ou bien on n'aura pas de Burkina. Voilà. Donc nous avons tous intérêt à œuvrer ensemble pour cette paix. Et œuvrer ensemble pour gagner toute la chose superficielle du Burkina. Le Burkina n'est pas à partager. Voilà. Merci. Merci à vous. J'invite les femmes à œuvrer pour la paix. J'invite les femmes à éduquer vraiment les enfants selon le contexte actuel. Ne laissons pas l'éducation de nos enfants aux réseaux sociaux. Ce que je peux dire.
Merci à vous, Madame Ouédraogo. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Madame Ouédraogo Néganson-Ré Eugénie, coordinatrice régionale des femmes, de Monsieur Saïdou Kouanda, ex-président du Conseil régional de la jeunesse, et de Monsieur Souleymane Ouédraogo, secrétaire général adjoint de la CODEL. Et il était question de démocratie. Je rappelle que l'émission se tient dans le cadre du projet Contribution au processus électoral du Burkina Faso 2023-2024, un projet piloté par la CODEL avec l'accompagnement de l'ONG Diakounia dans le cadre du programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable. Au microphone, vous étiez avec Jean-Azer Kafando, alias le maréchal, l'homme qu'il vous faut, l'homme de la situation. La mise en onde a été coordonnée par Gildas Bako. Nous vous disons au revoir et à la prochaine pour d'autres émissions. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.